Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de l'acteur Gérard Jugnot et de sa femme, Patricia Campi. Donc, Gérard Jugnot s'est marié en 2015 avec Patricia Campi, une juriste qu'il a rencontrée lors d'un tournage à Marseille, ville dans laquelle elle vivait. Avant d'épouser sa femme, il a fait une chose adorable. Il a demandé l'avis d'une personne qui lui tenait cher. Et cette personne n'est autre que son fils Arthur Junior. Donc Arthur est le fils unique de Gérard Junior. Il n'a pas eu d'autres enfants. Il a eu Arthur avec sa première compagne, avec laquelle il a été près d'une vingtaine d'années. Après ça, on lui a connu une liaison avec l'actrice Saïda Jawad, avec laquelle il a vécu de 2003 à 2014, pour ensuite rencontrer Patricia, qu'il a épousée en 2015. Donc, il a demandé l'avis de son fils par rapport à cela, et la réponse que son fils lui a donnée l'a convaincu de l'épouser. Et c'est une réponse assez marrante parce qu'il a dit ceci. Elle a dit: j'avais soumis l'idée à mon fils qui m'a dit: t'as jamais fait cette connerie, vas-y. Donc j'ai suivi son conseil, j'en suis très heureux. En fait, son fils lui disait que comme il s'est jamais marié, pourquoi pas. Donc il n'était pas trop tard déjà pour le faire. Et voilà, il se dit très heureux. Très heureux de ce mariage. En parlant de la différence d'âge entre les deux, c'est-à-dire qu'il a 65 ans et son épouse Patricia a 35 ans, il dit mariage plus vieux, mariage heureux. Donc voilà, il s'en fiche carrément des moqueries, des critiques de ses fans ou alors de ses détracteurs, on va dire, qui disent que oui, s'il avait été moins riche, moins fortuné, il n'aurait pas regardé, il n'aurait pas jeté un coup d'œil. Ce qui n'est pas forcément vrai parce qu'il y a certaines femmes qui aiment les hommes plus mûrs, plus matures. C'est une question de goût et de choix personnel. Il n'y a pas que le physique qui compte dans la vie, il y a aussi la beauté intérieure de la personne. Et c'est vrai, quand on dit ça, les gens te roulent les yeux, ils secouent la tête. Mais c'est vrai, il y a des personnes qui, au prime abord, ne vous attirent pas. Mais quand vous leur parlez, vous apprenez à les connaître, vous vous rendez compte que ce sont des diamants et vous tombez amoureuse de leur personnalité. En plus de ça, c'est un comique, un homme comique, donc qui dit homme comique, dit humour, dit blague, dit bonne humeur. À moins bien sûr qu'il soit déprimé. Bon. En tout cas, ça c'est pour les fans de Gérard Jugnot et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur like. Laissez aussi vos commentaires hein, pour me dire ce que vous pensez, de ce que vous pensez de cette belle histoire entre lui et sa compagne. Et voilà, j'espère que vous avez aimé. Merci de cliquer sur like, de vous abonner pour plus de vidéos et cliquez sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.